Bonjour à toi, cher spectateur. Dolomite is my name de Craig Brewer est un film que moi j'avais très très envie de voir. Pour la simple et bonne raison que déjà Eddie Murphy fait partie de mes acteurs plaisir coupable. C'est-à-dire que c'est un mec qui, je trouve, manque profondément aujourd'hui à la production de visuel. Pas forcément parce que c'est un auteur qu'on va dire très original ou intéressant. Mais c'est un excellent acteur, je trouve. C'est vraiment un très très bon acteur qui a été capable de, des fois, transformer des moments qui auraient pu paraître extrêmement proches du malaise en quelque chose de plutôt sympathique. Bon, derrière, il a aussi fait des trucs un petit peu indécents, genre en orbite, ou des trucs comme ça, mais ça reste tout de même un mec qui a proposé des choses assez intéressantes. Et surtout, j'avais envie de voir ce que Craig Brewer, qui est surtout connu pour avoir réalisé Black Snake Moan, allait nous offrir en tant que cinéaste, parce que mine de rien, c'est un auteur qui a vraiment beaucoup d'originalité dans sa manière de traiter ses sujets, et j'avais envie de voir ce qu'il allait faire de cette histoire tout de même extrêmement atypique. Le résumé pour faire simple, Rudy Ray Moore fait de tout, mais littéralement de tout. Du stand-up, de la musique, il est même disquaire. Mais dans la fin des années 70, personne ne semble reconnaître son talent. Jusqu'au jour où il va créer un personnage qui va le rendre culte. Brewer en fait un très joli moment de cinéma. Par beaucoup de points, j'ai envie de le comparer à The Disaster Artist de James Franco, pour la simple et bonne raison que forcément, par sa manière d'aborder le sujet et surtout par son personnage, on a envie de penser à ça, dans le sens où là où The Disaster Artist raconte l'histoire d'un mec très mystérieux qui va développer un projet de long métrage et qui dit être acteur et être multimilliardaire et en fait on découvre plein de choses autour de lui et ça semble très étrange, le fait est que Rudy Ray Moore marche, on va dire dans un autre sens. C'est-à-dire que là où Tommy Wiseau inspire de la fascination, Rudy Ray Moore inspire de l'admiration. Parce que c'est un mec qui est passionné par ce qu'il fait et qui a un seul objectif, c'est se faire connaître pour mettre en avant le fait de rassembler les gens. C'est amené de manière assez maladroite dans le film. Là-dessus, c'est indéniable que le cinéaste n'a pas réussi à forcément construire le meilleur portrait qui soit, mais je peux pas m'empêcher d'éprouver de la sympathie pour ce long métrage parce que je trouve que le message qu'il véhicule, au bout du compte, le fait de dépasser ses limites, d'aller au-delà de ce que le monde nous empêche de faire, de tout simplement suivre la voie qui nous semble être la plus juste, qui parfois peut être semée d'embûches ou de personnes qui ne vont pas arrêter de nous dire que ce qu'on fait est nul, que ce qu'on fait est inintéressant, que ce qu'on fait ne sert à rien, eh ben, je sais pas, je trouve ça extrêmement sympathique de voir un long métrage nous dire que la vie est peut-être un long fleuve loin d'être tranquille, mais que c'est en essayant de le remonter de la manière qui nous semble la plus juste possible que l'on va réussir à en faire son fleuve. Et au bout du compte, c'est ça qui ressort d'une œuvre qui touche tout ce que j'aime en fait dans le cinéma. Il est vrai que j'aime profondément les œuvres qui mettent en scène le cinéma, qui cherchent à construire un portrait, un regard, à capter quelque chose d'unique, où l'homme et le septième art ne font plus qu'un, et où la légende historique devient une légende cinématographique par le biais d'un objectif. Le film de Craig Brewer s'inscrit pour moi totalement dans la même veine que le long métrage de Franco autour de Tommy Wiseau, et crée un moment de cinéma que je trouve particulièrement juste, peut-être pas aussi surprenant et envoûtant que The Disaster Artist, mais franchement dans le genre, ça reste punchy. Très accrocheur, extrêmement bien rythmé et surtout cela fait ressortir l'humain derrière le mythe de cinéma. Et ça, vous savez que j'adore lorsque le 7e art fait ça. En termes d'écriture, je trouve que Larry Karaseski et Scott Alexander ont vraiment réussi à composer un long métrage qui est extrêmement bien rythmé en termes de dramaturgie. C'est-à-dire que le film dure quasiment 2 heures et sur les 2 heures, il n'y a rien ou presque à jeter en termes d'événements et on va dire de l'ensemble des retournements. Je veux dire, dans l'ensemble du film, tout est justement amené et tout est amené de la bonne manière au bon endroit avec les bons personnages. Ce qui est assez saisissant, c'est de voir que les deux scénaristes n'ont pas cherché à en mettre trop. Au contraire, ils ont essayé de le plus possible épurer leur dramaturgie pour que ça se centre sur l'essentiel. Mine de rien, ça leur crée un énorme défaut sur lequel je ne peux pas du tout être intransigeant, c'est la sensation que tout s'enchaîne trop vite et que tout tombe trop vite entre les mains de Rudy Ray Moore. C'est-à-dire que vraiment, c'est genre, il va avoir l'idée du personnage de Dolemite, ça va lui tomber au creux des mains. Il va avoir du succès, ça va être dès le premier spectacle. Il va choisir de mettre en scène le film, il va trouver tout de suite les bonnes personnes avec qui le faire. On va à peine le voir galérer. C'est juste cette impression de voir que tout s'enchaîne vite, ça c'est bien, mais tout s'enchaîne de manière très spontanée
et comme si tout tombait dans les mains des personnages. C'est un petit peu dommage quand on voit que derrière, le but du film, c'est de mettre en avant le fait que c'est un homme qui a essayé de dépasser des limites que la production n'arrivait pas à dépasser à l'époque et que lui a réussi à repousser. En plus, le but, c'est de montrer que c'était un des parrains du hip-hop et du rap moderne tel qu'on le connaît. Et le fait est que tout ça, en fait, lorsqu'on voit le message de fin et qu'on voit qu'il est considéré comme l'un des pères du rap, notamment par sa manière d'avoir composé tous les dialogues autour du personnage de Dolemite, ça arrive un peu de manière maladroite parce que même si on voit que c'est impactant, on se dit pas que ça va amener tout ce qu'il y a par la suite. En fait, pour être simple, la première partie, je la trouve assez inutile, c'est-à-dire qu'on la met rapidement au placard. Mais c'est la deuxième partie qui devient intéressante parce que dès le moment où on rentre dans l'envers du décor du tournage, c'est là que ça devient impactant, c'est là que ça devient fort et c'est là en fait qu'on retrouve ce qui faisait la force de The Disaster Artist. C'est cette impression de voir un envers du décor qui est fascinant, qui est passionnant et duquel va découler une œuvre extrêmement maladroite mais qui va devenir culte. Alexander Ekharazevski nous offre ici un joli travail de composition de dialogue, très joli travail d'ailleurs, mais surtout de construction de personnages, n'essayant jamais de jouer une carte trop simple ou évidente pour nous, mais cherchant au contraire à jouer sur cette idée assez loufoque de ce que la réalité a choisi de garder de cette aventure. Comme pour le film de Wizo, on sent qu'ici les deux auteurs ont surtout souhaité mettre en avant la passion profonde d'un homme pour l'art, l'envie à la fois de laisser une empreinte mais également de comprendre le public, de le marquer et de faire en sorte de rendre l'expérience presque plus bandante que la sortie du film en lui-même, donnant lieu à cette histoire folle mais jouissive avant tout. En termes de mise en scène, je trouve encore une fois que Craig Brewer il arrive à prouver ici qu'il est capable d'aborder beaucoup de genres. Bien au-delà d'être un metteur en scène extrêmement talentueux, c'est également un scénariste qui a su par le passé écrire des histoires vraiment prenantes. Là ici, il a choisi de vraiment se concentrer sur la mise en scène et je trouve qu'il arrive à gagner, on va dire, en impact par le biais d'une mise en scène qui cherche énormément à jouer avec la dynamique des actions. Ce qui fait que la caméra, elle va simplement pas se limiter à juste filmer un dialogue ou filmer une représentation de théâtre ou filmer un début de tournage. Elle va essayer de mettre en corrélation tout ça pour créer quelque chose qui, à la fin, forme un tout logique. La vie, finalement, de Rudy Ray Moore, cette idée que qu'il commence sur des planches d'une petite salle de théâtre ou qu'il finisse dans une grande salle de cinéma à projeter son film, dans tous les cas, ça reste quelqu'un qui a envie de faire en sorte que son art soit partagé avec les autres. Que ce soit deux scènes que je trouve très marquantes. La première, c'est quand il fait l'enregistrement de son premier album dans le personnage de Dolemite. Il choisit de le faire chez lui, avec des amis qu'il a invités, et c'est comme ça que l'enregistrement va se faire. Et lorsqu'il arrive à la fin, dans cette grande salle de spectacle où il va projeter le film Dolemite, et ben finalement, ce qui lui importe le plus, c'est de rester avec ce petit groupe d'amis qui l'ont suivi jusqu'au bout. Et j'aime beaucoup finalement ce côté très fraternel qui est transmis par le biais de la mise en scène, cette idée que les personnages, ok, ils font partie d'un petit groupe, par moments ils sont très fusionnels, peut-être presque trop refermés sur eux-mêmes, mais finalement c'est ça qui fait qu'ils sont soudés et qu'à la fin, peu importe s'ils arrivent ou non à rendre le film culte, dans tous les cas, ils seront restés soudés et ils auront réussi à traverser toutes les épreuves. Finalement, il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans le film, si ce n'est le temps. Et le temps, ben, comme beaucoup le savent, c'est le pire ennemi qu'il puisse y avoir dans la vie de quelqu'un. Et là, le fait est qu'ils arrivent à le combattre de la plus belle manière qui soit, et c'est peut-être ça le message final du film. Brewer est un jeune cinéaste qui a un peu touché à tout, mais qui reste un amateur de genre avant tout. Et je pense que c'est justement cette fascination pour ce genre de cinéma-là qui fait que son œuvre est un fantastique hommage à la Blaxploitation, en même temps qu'une œuvre de cinéma simple, efficace, mais surtout passionnante en termes de profondeur et d'introduction d'un monde. On découvre complètement cet univers. Complètement fou d'ailleurs, et on accepte également de se laisser porter par une forme de conception du cinéma qui reste très amateur, mais qui fascine par cette envie justement de ne pas simplement construire quelque chose de simple, mais surtout quelque chose de cinéphile et d'amoureux du cinéma. Et rien que pour cela, j'aime profondément cette proposition de 7ème art. En termes de casting, je trouve que le casting de ce long métrage est hyper intelligent, dans le sens où on a une galerie d'acteurs qui se donnent à fond pour des personnages et qui arrivent, même des fois juste par le biais d'une petite scène, à les rendre vraiment passionnants. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour Keegan Michael Key, qui est juste vraiment à mourir de rire. Mike Epps, Craig Robinson, et on peut citer également Titus Burgess, sont vraiment, vraiment excellents. Je les ai trouvés très, très bons. Cody Smith McPhee a un très joli rôle, très simple, très secondaire, mais qui fonctionne vraiment bien, tout comme Snoop Dogg, qui est vraiment juste là pour faire un petit caméo. Davin Joy Randolph est vraiment excellente, une des rares actrices de ce film qui arrive vraiment à avoir une place importante à l'écran et surtout à la garder. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, ce film vaut surtout le coup parce qu'il y a
un acteur que moi je trouve très talentueux, mais qui a souvent été rangé au placard des acteurs de seconde zone. Ah oui, et en passant, Wesley Snipes est une petite tuerie dans ce film. Ça, j'avais envie de vous le garder en surprise, mais voilà. Wesley Snipes, c'est quand même une petite tuerie dans ce film. Évidemment, Eddie Murphy l'emporte totalement ici, donnant lieu à une interprétation loufoque, mais surtout terriblement sincère de ce personnage pour un moment de cinéma juste captivant et envoûtant qu'il domine de manière impériale. Au bout du compte, Dolemite Is My Name est un film que je trouve vraiment intéressant. Il est indéniable que s'il n'était pas sorti sur Netflix, je pense qu'en France, il aurait eu l'une des distributions les plus catastrophiques possibles, parce que c'est clairement pas le genre de long métrage que le public français va malheureusement aller voir dans les salles. Heureusement, sur Netflix, je pense qu'il va avoir tout de même un joli petit écho, qu'il arrivera à trouver ses marques et qu'il arrivera à conquérir un certain public. Et moi, je vous le conseille fortement parce que, déjà, si vous avez aimé The Disaster Artist, qui reste pour moi le meilleur film de l'année dernière, vous allez beaucoup aimer ce film. C'est peut-être moins fin, c'est peut-être moins raffiné, c'est peut-être moins intelligent et moins subtil, mais je trouve que ça a tout de même la même énergie et le même impact qui fait que lorsqu'on ressort, eh ben, on est séduit par le film. Et donc du coup, Dolemite Is My Name de Craig Brewer, eh ben, je vous le conseille, ça reste un petit bijou de cinéma qui arrive à partager simplement l'idée que le cinéma, ça nous touche tous et que ça nous rassemble tous aussi. À plus !